Les mecs, allez, s'intéressent. C'est un par quoi ce parcours? Par 4, 359 mètres. Par 4 de 359 mètres. Le trou est en face. Allez, voilà. Voilà. C'est bon, t'as fait ce que tu m'as dit, t'es resté droit en plus. J'aurais pas cru. Ben maintenant, ouais, ça commence. Tu sais que je fais du draw même maintenant. Non, t'es pas, elle est partie droite. Oui. Elle est restée droite. Je peux en faire. Non, elle est partie allez, droite. Allez, Christian. Elle est partie droite, elle est restée droite. Ouais. Bon. Mais t'es plus en train de stresser. Exactement. Ah, j'avais anticipé un peu ton style, chef. Hein. Eh oui. À peu près. Merci. Joli, ce sera à droite. Ouais, c'est resté à droite, bah, je comprends ce pas. Ce sera... Ah, puis t'as pris un arbre. C'est pas grave, elle est revenue devant. Ce sera dans les pâquerettes. Elle est revenue devant, moi. Exactement. Allez, Christian, je te souhaite une merci excellente beaucoup. Partie. Bonne partie à toi. Et zouf, en direct, d'après mon... Tain, alors voilà. J'ai un plaisir à vous montrer ce décor. C'est un magnifique décor. Regardez-moi ça, on se croirait en été. C'est splendide, avec un soleil de dingue. Waouh! Malheureusement, j'ai un arbre. Oh, c'est moins marrant ça. Alors voilà, du monde sur le green qui libère la place. Christian, donc, à sa balle qui a tapé un arbre. Je démarre toujours à froid, c'est pas bon. Pour rouler. Ah! Ça, c'est... Je fais toujours galérer. Les arbres, là. Au départ. Ah. Pour vous décrire un peu, là-bas on a le green et en fait le drapeau il est vraiment dans l'axe de l'arbre. On est aux 135 mètres et en fait moi je vais prendre le risque qu'il faudrait c'est que je passe par-dessus l'arbre. Donc je vais prendre le risque de mettre un fer 6 en espérant qu'elle monte quand même bien au-dessus de l'arbre, qu'elle aille en direction du green. Oui. Et ben elle est passée dans l'arbre. Oh le bol. Elle va y aller. Elle roule, elle roule, elle roule. Elle va y aller. Roule, elle roule, parfait. Elle roule, elle roule, eh bien, alors, les joies du golf, on me dit tout le temps, pas comment, mais combien. J'ai une balle qui a été un peu topée, qui est partie super droite, qui a traversé l'arbre, qui n'a pas touché de branche, donc qui n'a pas été gênée. Voilà, qui a roulé jusqu'au green. Donc là, pour vous dire, 359 mètres, je suis sur le green en régulation. Énorme, énorme, énorme. Question à impulser, c'est garde un tout petit peu, pas grand chose. Donc là, il joue un deuxième coup un peu technique. C'est pas simple. Fallait sortir. C'est ça. Je fais rien de ce que je veux, mais ça va. Ça finira. Le green. Oh, je place une belle balle en plus. Je vais vous prendre un autre point de vue pour l'ami Christian. Ouf, 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 ouf. Quoi, froid, là. Elle est sur le green, elle reste petite balle là. Ok. Ah. Oh, je cale tout. Alors. Bon. Je vais quand même être sympa. Moi, je suis arrivé avec le temps nécessaire pour aller au practice et je remercie Xavier du golf d'Apremont de m'avoir laissé le temps. Alors que Christian est arrivé un tout petit peu limite et n'a pas eu le temps, lui, de s'échauffer. Tu vas nous faire un joli putt. Je vais me mettre là. Ah, t'as pas touché du tout le green. Pas mal, hein. Faut bien capter la pente. Oui, oui, merci. Pour quelqu'un qui n'a pas touché le green. Mais il faut que tu me la donnes parce que là... Vas-y. Je pars de loin. Allez, vas-y, à toi, que je fasse une pause.
Ah, de Zeus. Je t'ai rien dit parce que le birdie était... Mais j'ai cru que j'allais commencer la partie par un birdie. Il fallait l'attaquer, quoi. Eh oui. T'étais en montée, donc tu attaques forcément. Mais écoute, je suis fier, je commence par un par. Tiens, moi j'ai une double pente. Oh la vache, j'ai pas gagné. Eh oui. Oh là 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 là. Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Bon. Et ben voilà. 7. Super. Bon. 4. Et oui, moi j'enchaîne sur un par. Christian Morf un tout petit peu, mais il ne s'est pas échauffé, rien. Et... J'ai l'habitude. Et voilà. Et tu le sais, ça a été dit à la à Rebet. T'aimes déjà, pas les trous ouais. numéro 1. Il faut savoir qu'après, il se démerde toujours très bien. Allez. C'était le trou numéro 1 du golf d'Apremont. C'est un plaisir. Vous aimez cette chaîne, un grand pouce. Et puis là, je vous emmène. Allez, je vous emmène sur le 2. Je vais vous faire le 2. Et puis, je vais vous faire les trous signatures après. Il paraît qu'il faut faire le 13 et le 14. Donc, je vous les montre vers ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la playlist d'après-midi.